Salut tout le monde, ça c'est l'éponge, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve sur Minecraft pour la mise à jour de 1.16 sur la PS4. Je me suis attaqué en même temps. Donc le portail, bon c'est moi qui l'ai fait, mais vous pouvez quand même trouver par hasard une petite ruine hein, du port de Nether que vous pouvez compléter par les blocs d'obsidiane. Bon, allez, c'est parti. On va rentrer tout de suite dans le Nether. On va découvrir ensemble. Bon, je suis dans le Nether. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est pas du tout comme avant. Oh, il y a des phoques cochères. Il y a des phoques cochères. Ah, ça fait drôle de bruit, mes amis. Ah, j'espère qu'il va pas m'attaquer. Tout doux, tout doux. Oh, tout doux, tout doux. Il m'arrête. Ah, je croyais qu'il était gentil. Ah oui, j'ai oublié qu'on est en enfer. Hop. Hop, vas-y. Bah, oh, bah, il y a du monde là. Je sais pas si je vais rester longtemps. Hein. Oh. Je précise que je suis en mode facile. Hein. En mode facile et en 100% survie, mes amis. Donc c'est pour découvrir ensemble le nouveau Nether. Donc, mais je suis inquiet là, je suis très très inquiet. Pourquoi? Parce que comment on va trouver le château? Comment je vais trouver? Parce qu'avant je connaissais le château par cœur pour chercher le bâton de feu. Bon, on va d'abord sculpter tout ce qui est nouveau. Hein. Là, il y a du bois. Hop, ici. Hop, je peux prendre du bois. C'est cool, c'est magnifique, mais par contre pour prendre les feuilles, il me faut des cisailles, mais j'ai pas pensé à aller chercher. Hop, voilà, donc le bois, hein, c'est comme le bois classique, hein. Vous appuyez sur carré, et puis vous allez sur, et vous appuyez sur X, et voilà. Normalement ça se fait tout seul, mais c'est juste la couleur qui change, peut-être ça pour une construction, ça peut être joli. Et voilà, voilà, donc je vais découvrir avec vous un petit peu plus loin, est-ce que je peux aller plus loin. Je vais éviter d'aller trop loin parce que sinon je vais me perdre. Wow, 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 toi dès que tu me sens, toi tu m'aimes pas toi. Hein. Vas-y, 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 voilà, arrête de m'attaquer. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux monstres, mes amis, mais bon, après c'est des monstres classiques. Ils ont juste rajouté des quelques monstres, on va dire. Wow, mais ils sont très, très méchants. Ils sont très méchants, ces petits monstres. Oh, celui-là, c'est quoi? Ah, il est tout doux. Ah, ça me rappelle un dessin animé. Ça me rappelle un dessin animé, je sais plus lequel, mais ça me rappelle un dessin animé, ça. Je vais taper. Non, je vais pas taper. Vu qu'il m'attaque pas, je tape pas. Je suis pas méchant avec les animaux qui sont gentils. Je tape seulement avec les animaux qui m'attaquent. Bon, je vais profiter de prendre un petit peu attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Et des quartz, voilà, des quartz de Nether. Parce que quand je viens d'un Nether, je prends toujours des trucs que j'en ai pas dans le monde réel. Par contre, ça grogne, hein. Ça grogne, mes amis, ça fait peur. Là, la limite, si je vais pas faire du popo dans ma culotte tellement que j'ai peur. Bah, c'est... Ouais, par contre, ouais. Il me manque des trucs, là. Il manque des arbres bleus. Ouais, il m'attend de pied ferme, hein. De loin, il me voit. On dit que c'est... on dit que c'est des creepers. Au secours, maman! Au secours! Ah, bah, il court vite, hein. Ah, il passe! Vas-y, vas-y, vas-y. Arrête de m'attaquer là. Mais ce qui est bien, c'est que on peut avoir de la viande. Grâce à ces cochons facochères, on peut avoir de la viande. C'est bien, c'est plutôt bien parce que même si on se perd dans le Nether, bah, on a de la bouffe quoi. Mais par contre, le feu ils sont en bas. Hein. Je me demande si on jette les viandes dans le. Comment ça s'appelle dans la lave, ils vont pas être complètement grillés. Bon, c'est un truc à éviter, hein. Mais je pense qu'on peut manger viande, on va dire, viande crue. Bon, je vais pas aller plus loin, mes amis. J'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo un peu classique. En tout cas, n'oubliez pas de cliquer sur like, comme d'habitude, et de faire partager. Et toi qui n'es pas encore abonné, bah, je t'invite à t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!